travailler en donnant parfois des idées, en faisant des constats qui n'étaient pas des arguments. Donc aujourd'hui, on va essayer d'avancer encore un petit peu plus dans notre travail, mais cette fois sous forme de travail de groupe, puisque vous allez réutiliser le double travail que vous avez déjà fait seul. Vous allez vous réunir en groupe et je vais vous demander dans un temps limité, on va se donner un quart d'heure, de reformuler ensemble trois arguments favorables, trois arguments défavorables, puis ensuite vous allez mettre en petite scénette votre débat et chaque groupe passera dans le dernier quart d'heure devant le reste de la classe. Le but est de créer un débat à la fois vif et pertinent, où de vrais arguments vont être échangés et où chacun pourra défendre son point de vue. Voilà.